On va parler donc maintenant, on en a parlé un petit peu tantôt avec Marie et Antoine, des mises en chantier puis des problèmes de construction. Les mises en chantier au Canada, ça, c'est les chiffres pour l'ensemble du pays, en 2023, ont baissé de 7 %. Et là où ça devient intéressant pour nous, où ça nous préoccupe, c'est que c'est essentiellement dû à la baisse au Québec. Parce qu'au Québec, on parle d'une baisse de 32 %. Ce sont les dernières données récentes de la Société canadienne d'hypothèque et de logement, la SCHL. Donc, quand on regarde ça, ce qu'on comprend, c'est que la baisse observée au plan canadien, elle est presque entièrement imputable au bilan québécois. Puis quand on regarde les chiffres, tu sais, 38 900 mises en chantier en 2023, c'est 18 000 de moins qu'en 2022, selon les chiffres qui ont été donnés aussi par la CHL, alors que l'Ontario et la Colombie-Britannique, eux, bien, ils restent avec des taux de construction qui sont à peu près les mêmes. Qu'est-ce qui se passe chez nous? Puis est-ce que Pierre Poilievre a raison de dire que c'est la faute des maires? Gabriel Giguère, analyste en politique publique à l'Institut économique de Montréal, se joint à moi. Bonjour et merci d'être avec nous. Bonjour, c'est Francis Cortineau de la CHL. Ah, pardon, excusez-moi, monsieur. On a un nouveau système, je pense que vous m'avez dans mes feuilles. Bonjour, M. Cortineau, merci d'être avec nous. Je parle avec M. tantôt dans un instant. Donc, M. Cortineau, qu'est-ce qui se passe au Québec pour expliquer des accords aussi importants? Bien, je vous dirais qu'au Québec, on construit différemment, et je vais m'expliquer. Donc, par exemple, à Toronto, Vancouver, souvent, on va faire des grandes tours de 20, 25 étages, 200, 250 unités. Et ces projets-là sont planifiés sur 4-5 ans. Et donc, par exemple, une tour à condo qui commence à être construite cette année à Toronto, bien, peut-être que les préventes de ces condos-là ont eu lieu il y a 2 ans, 2 ans et demi, alors que l'économie allait mieux. Donc, les projets qui sont sortis de terre, peut-être en début d'année, en milieu d'année à Toronto, Vancouver, reflètent un peu plus les conditions du passé. D'accord. On se dirige maintenant au Québec, à Montréal aussi. On construit des petites tours, des tours de taille moyenne, peu d'étages, qui prennent beaucoup moins de temps à planifier. Et lorsqu'on parle aux promoteurs, bien, les préventes dans les bureaux de condos sont morts. C'est au point mort, il ne se passe pas grand-chose. Donc, nous, vraiment, on vit les conditions actuelles avec des conditions de financement très difficiles pour les promoteurs. Et même en Ontario, en fin d'année, on commençait à avoir déjà un peu un essoufflement en termes de construction. Donc, ça commençait à les rattraper un petit peu. Donc, ça, c'est un des éléments. Et le deuxième élément, c'est qu'au Québec, on fait beaucoup d'appartements locatifs, peu de condos dans les dernières années. C'est encore le contraire dans le reste du pays. Et lorsqu'on parlait des promoteurs, c'est beaucoup plus difficile à rentabiliser des projets locatifs que des tours de condos, surtout dans un contexte de taux d'intérêt élevé. Ce qui fait en sorte, dans notre cas, on a eu plusieurs projets retardés, annulés. Et c'est un peu moins le cas, disons, dans les autres provinces. Donc, si je comprends bien, les deux éléments, c'est un, la situation où le bilan historique du Québec, la façon dont on fait les choses ici en matière de construction. Puis l'autre élément, c'est que le locatif est plus friable actuellement, puis ça fait que les projets vont moins souvent jusqu'à leur conclusion. Est-ce que les municipalités ont quelque chose à voir là-dedans, une responsabilité, là? Mais je crois, pour être honnête, que tout le monde peut faire mieux. Le niveau fédéral, le niveau provincial et même les municipalités. Tout le monde doit s'améliorer parce qu'on doit pratiquement tripler la cadence de production de logements pour avoir une abordabilité sur le marché. Et lorsque les mises en chantier baissent, on s'en va dans la mauvaise direction. Si on revient aux municipalités, je crois qu'ils en ont très conscients. Plusieurs d'entre elles ont sorti des plans d'action récemment, ou sont allés même sur la place publique, en disant que la livraison des permis, les délais étaient trop longs, les processus d'approbation étaient trop complexes et qu'il fallait simplifier les processus pour aider, appuyer les constructeurs qui veulent développer de l'immobilier sur leur territoire. Et certains ont même parlé de changement de culture des fois au sein de l'organisation. Donc, je pense qu'il y a une prise de conscience qu'il faut améliorer les choses. Et encore une fois, il y a la prise de conscience, il y a les actions. Donc, il faudra voir aussi au cours des prochains mois, des prochains trimestres, comment ça se matérialise sur le terrain. Est-ce qu'en fait, on n'est pas devant un marché ou une industrie qui, pendant de nombreuses années, roulait sur l'or, pratiquement, de la construction, puis qui a connu de grandes années, où on n'a pas senti l'urgence d'être efficient puis d'être efficace? Et là, maintenant que les temps sont plus difficiles, ça les rattrape. Oui, mais en effet, je pense que depuis une vingtaine d'années, l'abordabilité se détériore un peu partout au pays. Et lorsqu'on est dans un contexte qu'il y a une croissance de population très importante et en même temps, on a des conditions économiques, financières, où c'est des taux d'intérêt plus difficiles, je crois que ceci, disons, nous revient en plein visage. Donc, peut-être qu'on n'a pas été assez productif dans les dernières années. On parle beaucoup d'automatisation, de peut-être faire du pré-usine aussi pour certaines composantes des habitations. Il y a déjà un promoteur qui m'a dit à la blague, et s'il exagérait, il voulait faire son point en disant qu'on construit des maisons aujourd'hui comme on les construisait il y a 100 ans.
pour montrer à quel point il n'y avait pas eu un dégain de productivité important dans l'industrie de la construction. Donc, encore une fois, je pense qu'il y a plusieurs domaines qui doivent être améliorés dans l'industrie, au niveau de tous les pays de gouvernement, au niveau des associations, pour finalement réussir à accélérer la cadence de mise en chantier de logements pour des prochaines années. Qu'est-ce qu'on veut dire quand on dit qu'on construit des maisons comme auparavant et qu'on pourrait améliorer l'efficacité, là? Mais grosso modo, c'est que dans plusieurs industries, on a automatisé, on a eu des gains technologiques pour faire travailler plus vite, mieux. Alors que dans l'industrie de la construction, il y a eu des gains de productivité, mais très faibles. Donc, on a peu beaucoup de. On construit un peu comme on construisait à l'époque, donc sans plus. Ça, c'est pas plus rapide, c'est pas plus efficient nécessairement. Et donc, je pense qu'il y a plusieurs gains à faire de ce côté-là au cours des prochaines années. Et plusieurs promoteurs commencent à regarder, avoir des process automatisés, aller dans le pré-usinage aussi de certains blocs, certains morceaux, pour accélérer la cadence. Et aussi au niveau des municipalités, des programmes, c'est toujours revoir les politiques, les programmes pour être en lien avec ce qui se passe sur le marché. J'aimerais qu'on revienne à ce que vous nous disiez en début d'entretien, M. Cortellino, quand vous disiez, par exemple, il y a une différence entre la façon dont ce qu'on construit au Québec et ce qu'on construit, par exemple, en Ontario et en Colombie-Britannique, où là, les promoteurs optent davantage pour des édifices plus élevés, avec plus de logements dedans. Est-ce que c'est quelque chose qu'on devrait... Parce que c'est vrai qu'au Québec, les tours sont moins importantes, surtout à Montréal. À Québec, il y en a moins. Mais est-ce que c'est quelque chose sur lequel on devrait réfléchir au Québec? Est-ce que le Québec est sur la bonne... Je sais pas, sur la bonne voie sur cette question-là? Mais des fois, c'est beaucoup relié aussi aux contraintes de terrain. Hein. Des fois, les contraintes de terrain sont différentes. Par exemple, à Vancouver, là... bordé par l'océan et les montagnes, donc c'est plus difficile, alors qu'à Montréal, peut-être en banlieue, encore du terrain disponible qui permet des petits tours, des petits immeubles. Ouais. Par contre, je dirais à Montréal et au Québec, on a quand même une belle diversité de logements. On a des grands tours dans les centres-villes, mais une fois qu'on se déplace plus loin, on peut avoir des plus petits logements de taille intermédiaire ou des petits tours qui répondent à certains besoins. Donc, je prends toujours l'exemple, là, par exemple, vous êtes à Toronto, vous cherchez un appartement locatif neuf ou récent, vous avez des grandes chances de terminer dans une grande tour au centre-ville de Toronto. Alors qu'à Montréal, vous pouvez aller dans le centre-ville si vous voulez, mais aussi vous pouvez aller en banlieue, sur la rive nord, la rive sud, vivre dans une grande tour, une petite tour. Donc, vous avez plus de diversité. Vous prenez plus de chances de trouver quelque chose qui répond à vos besoins. Et aussi, ces tours-là aussi prennent beaucoup moins de temps à planifier. Donc, au lieu d'attendre un 5 ans, vous attendez un 2, un 3 ans et c'est construit. Donc, ça a aussi ses avantages. Francis Cortellino, je l'ai bien eu ce fois-là, qui est économiste à la CSCHL. Hey, fort intéressant. Merci, M. Cortellino. Là, hein? Merci à vous. Bonne journée. Au revoir.